Après avoir fini l'étape du ponçage, ça y est, on attaque la peinture. Et quand on commence à sentir la peinture, c'est trop bien, ça fait trop du bien. Là, on est dans le bureau, j'ai une copine qui va venir nous aider. Et le week-end prochain, on a des copains qui viennent nous aider à peindre, qui viennent nous donner un coup de main. Donc c'est trop cool, ça va avancer. Donc, eh bien, c'est parti pour la peinture de la sous-couche des pièces. Vous verrez, c'est trop bien, ça change tout. On la garde. Comme ça en retour, c'est trop bien parce que je me rends, enfin, le voir en vrai et le voir en vidéo, c'est pas pareil. Et bah voilà, grâce aux gars qui sont venus le week-end dernier, on a pu vraiment carrément avancer au niveau de la peinture. Donc on a fait toute la sous-couche de la cuisine. Donc du coup, bah c'est tout blanc, genre c'est trop bien. Il nous reste, on n'a pas pu faire le couloir parce qu'il restait un petit bois poussé. Donc ça, on va pouvoir faire bientôt. Là maintenant, on est en train de finir de tout poncer pour qu'on n'en parle plus. Mais comme il y avait les copains, on a profité pour peindre à fond, donc on a fait ici et on a également fait du coup le salon. Je vais vous y amener. Donc le salon, on a aussi, enfin ça on ne l'a pas filmé, mais on s'est occupé de reboucher, enfin il fallait repasser sur ces murs-là qu'on n'a pas touché qui sont d'origine, mais il y avait plein de trous et tout, donc il a fallu qu'on enduise aussi et qu'on ponce, donc ça c'est fait. Et du coup, il y a Owen qui arrive. On voit pas Owen. Où? Ah mais t'es venu derrière. T'es derrière le frigo. Et du coup, et ben pareil, donc les deux murs de placo du salon sont peints, pareil, enfin que la sous-couche, hein, pareil, mais voilà, avec la super niche qui va être trop belle. Et le bureau aussi est fait, donc ça on avait déjà commencé la semaine d'avant avec Juliette qui était venue m'aider. Pareil, trop cool d'avoir de l'aide pour ça, donc on avait fait tous les murs et les gars ont fait le plafond. Donc bah trop bien, parce que le bureau en fait il nous reste juste l'encadrement de la baie vitrée là, parce qu'on n'avait pas fini de faire les joints. Mais sinon, bah, le bureau, en fait, toute la sous-couche est faite, c'est trop cool. Donc le bureau, en vrai, bah, après on va peindre et on pourra vite faire un parquet, donc le bureau est quasi bien avancé. Donc c'est trop cool. Je vais sortir bas parce que ça résonne beaucoup. Donc voilà, c'était le bilan. Là, comme je vous l'ai dit, on va tout faire pour finir de poncer parce que
on n'en peut plus, on n'en peut plus de poncer, de la poussière et tout. Donc il nous reste le plafond là, du salon, qu'on a, pareil, on a dû réenduire parce que c'est là où on avait cassé une cloison, donc évidemment, c'était à refaire. Le fameux plafond dont on vous a beaucoup parlé, le plafond de la salle à manger, vous savez, il y avait de la fibre de verre avant. On rencontre actuellement une nouvelle difficulté, là on est dans le plafond de la future salle à manger. Et en fait ici il y avait de la fibre de verre qu'on a retirée, parce que bah, on voulait que tous les plafonds soient lisses, donc on l'a retirée. Et en fait on a de partout, si vous voulez, c'est les couches de peinture qu'il y a eu sur la fibre de verre qui sont pas décollées, qui sont collées au plafond. Bref, c'est dégueulasse. Et on essaye de la retirer, mais c'est super compliqué. On pensait être tranquille avec les surprises, mais apparemment non. Le plafond, du coup, on a gratté une bonne partie. Il reste que cette partie-là qui est en fait qui part pas. Enfin, ce qu'on grattait, parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, Wawan? Donc du coup, ouais, on va relisser. On va passer l'enduit pour tout relisser comme il faut, puisque bah, en grattant, en plus, ce qu'il y avait, bah, on a fait des petits trous, etc. Puis il y a quelques fissures. Donc on va remettre dans le lissage. Et avant, on va mettre une couche de peinture acrylique pour fixer le plâtre qui est en dessous. C'est un ami plâtrier qui nous a dit de faire ça pour que ça tienne bien. Et voilà, du coup, bah, en fait, on n'a plus besoin de trop gratter. Ce qui reste, là, ça tient. Donc, on va repeindre par-dessus, puis ça sera bien. Voilà. On a ensuite enduit trois fois, enfin, comme mon papa a enduit trois fois. Et que là, du coup, Erwan est en train de poncer, et ensuite on aura des retouches à faire, il faudra qu'on réenduise des petits trous, et qu'on reponce, on n'en peut plus, mais on arrive au bout. Et sinon, niveau ponçage, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aussi? J'ai fait là, au-dessus de la poutre, et entre les deux, pareil, pendant qu'Erwan a fait le plafond, je vais m'attaquer à l'entre-poutre ici, l'entre-IPN, vous avez compris. Et il nous reste ensuite juste le couloir ici qu'on a... On a fait les joints dans le couloir il y a hyper longtemps, mais on n'a toujours pas poncé. On sait pas pourquoi, mais... Donc, Parce qu'il restait les toilettes. Oui, oui, c'est ça, faut que je vous montre. Il n'y a plus rien. Oui, c'est pour ça qu'on n'avait pas poncé, parce que tu peux réapparaître en vidéo, si tu veux. Parce qu'en fait, on voulait finir d'enduire les joints dans les toilettes, et bah du coup, il fallait qu'on retire les toilettes pour pouvoir faire comme il faut derrière, parce que de toute façon, on va les changer. Donc voilà, mon papa s'est occupé de ça, de l'enlever aussi, et il a tout réenduit, donc pareil, on peut repenser. En vrai, mis à part les retouches, techniquement, on n'a plus rien à enduire. On va essayer à fond de faire ça pour que le week-end prochain, là on est en semaine, pour que le week-end prochain... on puisse passer à autre chose. Donc c'est parti, vous allez encore faire de la poussière avec nous. Juste avant, ma maman s'est occupée de faire tous les joints du mur en pierre derrière. Et bah, en vidéo, ça rend encore... Enfin, c'est trop bien d'avoir le retour en fait, parce que je vois ce que vous voyez, c'est trop beau. Genre, on est trop content. On regrette pas une seule seconde d'avoir voulu faire réapparaître ce mur en pierre. C'est si beau, vraiment, la cuisine, ça apporte un cachet à la cuisine, c'est fou. Puis en plus, avec le plafond blanc et tout, vraiment, le résultat est trop beau.